ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. On entend des termes et des noms. Beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire. On entend Qutbi, on entend Haddadi, on entend Takfiri, on entend Ikhwani, on entend Tabliri. Bon, il y a des noms, les gens ils commencent à savoir. Mais certains noms encore, ils n'ont pas saisi ce que cela veut dire. Pourquoi ? Au début de la da'wa salafiyya de ces derniers temps, revivifié par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par les grands mashayikh qu'Allah a choisi pour revivifier la da'wa salafiyya. Les ennemis de la salafiyya étaient clairs. Ils attaquaient la salafiyya de front. Et on reconnaissait les salafis des gens qui ne voulaient pas suivre la voie des salafis. Mais comme a dit Cheikh Al-Albani, que alhamdulillah, quand la da'wa salafiyya s'est répandue, elle s'est même répandue chez les groupes égarés. Donc, tu trouveras chez les ikhwan, dans certains points de la aqidah, ils sont revenus sur la voie des salafis. Mais ils sont restés déviants dans d'autres points dans la croyance. Tu trouveras chez les tabliri, certains, par exemple, ils ne vont plus faire certaines choses avec les tombes ou avec les saints. Mais ils restent des tabliri. Et même s'ils sont restés dans leur secte, leur mal a diminué un minimum. Et c'est pour ça que le discernement, il est plus difficile à faire maintenant. Parce que tu vas trouver un ikhwani, quand il te parle d'Allah, il parle comme la croyance d'un salafi. Mais quand tu arrives sur le mutabara, sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle comme un ikhwani. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sont fait tromper. Car maintenant, pour faire accepter leur appel au faux, ces différentes sectes et ces différents groupes déviants se sont habillés d'un habit de la salafie. Puisque la saine nature des musulmans, c'est d'être attiré vers le fait de suivre Salaf Saleh. Tout musulman, naturellement, il aime les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aime les tabi'in. Il aime les trois premiers siècles. Et il sait que ce sont les meilleurs des gens. Donc pour faire accepter leurs idées déviantes, ces groupes-là se sont habillés d'un habit salafi. Et utilisent les paroles de nos savants reconnus. Mais ils les déforment et ils utilisent les parties qu'ils veulent et délaissent une autre partie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la tromperie est encore plus grande. Et que le danger est encore plus imminent. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire de faire la lumière sur cela.